Da! Du versus fighting sur ma chaîne, c'est pas des émotions ça? Hop là! Hop là! Ça va, c'est un vrai jeu de combat comme moi j'aime, où tu spams une touche et tu gagnes. Des vrais, vrais jeux de combat ça. Tu dois être à l'étage du dessus. Oui, je suis au-dessus. Eh ouais, mais nous, on peut pas accéder à là où t'es. Parce que là, t'es enfermé dans une pièce, c'est ça? Oui, je suis enfermé dans une... En fait, j'ai pris un TP sans faire exprès dans le truc, et ça m'a TP dans une pièce fermée à clé. Est-ce que si je prends le TP, j'arriverai dans ta pièce ou pas? Non, c'est full random le TP. Et même si tu viens dans ma pièce, bah, on est deux à être enfermés dedans, quoi. Je crois que c'est loose pour venir te voir, hein. D'accord. Je vais quand même les tenir au courant dans le vaisseau, et on verra. Et si on décolle, bah, ça veut dire que... Dommage. Bah, très bien. Je vais réfléchir à ma vie dans la pièce. Je t'ai dit que j'allais faire un effort pour essayer de vous convaincre, mais bon... Ah, il est foutu, hein. On est d'accord que vous le voyez mort, là, sur l'écran? Ouais, ouais, il est mort, il est mort. Ah, il est mort, hein. Putain, c'est dommage. On est d'accord, vous confirmez tous qu'il est mort? Ouais, hein, il est bien mort. Moi, je le vois mort, là. Il est mort, hein, je crois qu'on peut y aller. Hein. On peut y aller, ouais, on peut y aller. Allez, hop. Hey, ciao. Désolé, Antoine. En même temps, il a marché sur un TP. Bon, c'était un risque. Qu'est-ce que... Oh. Exceptionnel. T'es où? C'est Zerator ça ou quoi? Mais oui, c'est Zerator. T'es sûr? Mais bien sûr que oui, c'est Zerator. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Non, mais c'est Zerator. C'est simple, regarde. Zerator, il y a un bounty, il y a un bounty. S'il réagit, c'est lui. Bah, je sais pas quoi te dire, Fred, du coup, hein. Mais c'est quoi ce bruit? Non, je suis sûr que c'est pas Zerator. Non, mais c'est Zerator. C'était ça le bruit? Ah, c'était ça? Ouais, c'était pas moi. Regarde, regarde, je le recharge, là. Tiens, test. Pourquoi tu fais ce bruit, Zerator? Mais c'est Mintos avec son jouet. Ah, c'est Mintos, c'est Mintos. Ah, c'est ça qui fait ce bruit. Deux secondes. Mais c'est bloqué. Et qui est bloqué? Bah, il y a l'étagère en plein milieu. Oh. Quel con qui a fait ça? Comment on fait? Mais chier! Who is the con? Attends, Florence est morte? Attends, je vais voir s'ils sont morts. Que dans le vaisseau, vu que le passage est bloqué, il peut pas la... Trouver une solution! J'ai joué à Star Citizen, il y a tout le temps moyen d'exploiter le lag. Ça fait chier! Oh! Ça fait chier! Attends, faut exploiter le lag serveur. Mais ta gueule, non! Je sais même pas comment on fait! Arrête! Ta gueule! Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, vous êtes vraiment des gamins! C'est lui! C'est lui! Pourquoi vous avez fait c'est ça? C'est toi là? Tu joues le best-of, c'est trop relou quoi. Vous chier! Ah ouais, là t'es content là! Ouais, deux clés, d'accord, mais bon. Wow! Oh, ça fait trop pâté! Oh, c'était trop battant. Zera? Ouais? J'étais dans une pièce, derrière moi j'entends ta voix qui fait... Ah ouais? Oh putain. Je me retourne, c'est le Bracken. Oh non. Putain, mais moi j'ai jamais eu ça. On aurait vraiment dit que c'était toi quoi. Putain. Oh, la bombe. Fais une tub, vite. Les couilles sont énormes. L'argent m'y avait pensé. T'as bien acheté le téléporteur? Attends, laisse-moi finir ma tub d'abord. Allez, voilà, il faut consulter, Fred. So long, Bowser. Mais il est parti. Pourquoi? 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 Masterclass. On a perdu 1000 balles. Mais, non mais tu trolls. Moi j'ai tout en tout cas. J'ai perdu mon spray, j'ai perdu ma lampe torche, j'ai perdu mon toki, espèce de putain. J'ai perdu ma journée. Oh, le temps perdu, on va perdre du temps sur l'autre planète du coup à attendre la livraison. Mais pas du tout. Vu le nombre de malus qu'on a eu parce qu'on est 4 restés sur la planète, je ne peux plus acheter le reverse TP. Bon, on s'en bat les couilles. Mais ta gueule, c'est pas tout seul. Putain. Du coup, on ne peut plus faire les grosses lunes puisqu'on a plus d'argent. Oui. Pourquoi on a plus d'argent? Bah parce que... Viens, on va... Je vais te manger le cul. Pas du mal dans le jeu, hein. Ouvrez la porte, je vous en supplie. Foutez-le dehors. J'y pète. On va le laisser. Il a remis ça devant. Il a remis, mais on va te bouffer. On va te manger. Vraiment, on va te manger. Il a le masque. Ne l'utilise pas. Je l'utiliserai pas. T'en meurs d'envie, mec. T'en meurs d'envie. T'as le doigt qui transpire, quoi. Zerator avec le masque, c'est la musique du Seigneur Zano. Du coup.
à moi! Ne le mettez pas, monsieur Frodon! Ça ne mérite pas le best-of! Ne le mettez pas, monsieur Frodon! Je sais que c'est drôle, mais ne faites pas ça! Ça nous tuerait tous, monsieur Frodon! J'ai oublié de charger le talkie! Ah! Ah! Oh putain, je suis mort seconde 1! Oh, je vais beaucoup attendre! Oh! Hein? Oh, oh, bonjour. Oh putain. Oh la chance. La dinguerie de chance. Il y avait deux morts de plus là. Il arrive, hein. Non mais c'est quoi, c'est un épisode de Scooby-Doo là, c'est Oui, jeu pas raciste. Direct ZQSD qui fonctionne sans qu'on rebind. J'en demandais pas tant. Ah, et on a direct les... Vous avez vu, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bas. C'est et commercial et guillemets apostrophe parenthèse tiret et underscore. Ah, c'est Elden Ring. Oh oui, bien sûr, le classique. Tu sors pour te prendre la claque de l'environnement. Ça, c'est du très classique. Maintenant, tous les jeux font ça. Mais c'est vrai que ça fait son petit effet. Tu sors, tu fais... Ah ouais, quand même. On aime bien à chaque fois. Et vous aimez? Est-ce que vous aimez? Moi, j'aime bien, je trouve aussi. Ah ouais, d'accord. Et donc là, en gros, tu peux faire un gros carré. Ou alors... creuser un gros carré, quoi. Je vais chercher du diamant. On va plus voir grand-chose très rapidement. Je vais rencontrer le Balrog, qui va anéantir mon camp level 1. Ça va être énorme. Ça commence... Oh, mon escalier, je peux le monter sans sauter. Direct en sprintant. C'est déjà un banger. On peut faire une pioche, on peut faire un bouclier, un arc déjà. Équipable, arme à distance. Mais comment ça se passe pour les flèches? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de flèche. Ah, flèche en bois qui apparaît après, bâtard. Petit bâtard. Putain, je me suis dit, attends, flèche infinie? Alors c'est ça le bonheur? Eh ben non. Ramasser. Ramasser. Pas ramasser. Une tub, ça. Ok, est-ce que je peux aller là? S'il vous plaît, là, en vrai. C'est pas très haut, là, en vrai. Je meurs, là? Non, regardez, je vais faire ça. Elle vaut mieux tester maintenant. Je teste pour vous. Action, équipé. Super. Je suis nu, mais j'ai un anneau. Parfait, ça. Gollum. J'avoue, je suis Gollum. Je suis nu avec un anneau. Je suis le Gollum originel. En effet, c'est moi, Gollum. Comment avez-vous deviné? Ah, ça, c'est la brume tier 2. Wouah! Wouah! La brume mortelle. Ok, ça va, j'ai le temps. Donc la brume tier 2, c'est one shot, quoi. Ok. Ah, je peux pas voyage rapide, d'accord. Donc là, je vais mourir. Très bien. 5, 4, 3, 2, 1. Là, j'imagine ça va dépenser ma vie. Ah d'accord, c'est one shot. Il s'est mis dans sa petite maison pour sniper un petit peu tout ce qui passe. Le petit El Provençal. Oh. Ah, il m'a fait peur, putain, mais stop. Oh, il tente les kills sur... les gens qui passent en voiture comme ça. Ah, Walou, c'est un peu pareil, voyez. Un peu la même game. Ah, on sent quand les joueurs savent jouer, ils ont envie de faire du kill. Ils ont clairement envie de faire du kill. Arrêtez. Berluc, il a pris aucune balle. Hein. Berluc, il est tombé. Berluc, il est mort tout seul avec sa voiture. Oh, mais Berluc, t'as fait quoi? Oh non, Berlu, merde, quoi! Mintos en fight, attention! On se concentre sur des duels, c'est comme ça qu'on fait dans le RMS toujours. Jusqu'à la fin de la partie où là on voit mieux. Oh Mintos! Crois en toi, Mintos! Oublie que t'as aucune chance! Oh non, mais Mintos en plus, c'est un amateur en face! Vas-y, Mintos! Wallach, évident, gris en live, Mintos. Oh Mintos! Oh la grenade. Grenade dans la gueule. Oh le headshot! Peut-être le headshot? Non, pas de headshot pour Mintos. Oh là là, en plus l'autre il a 30 HP, il décale, JPP! Non! Oh non! Il m'a mis une balle! Mintos qui est horrible, malheureusement! Il est horrible au jeu! Oh mais c'est un ouf, il va à donf, hein! Oh! Franchement, c'est un ouf, hein! Je vous le dis, c'est un ouf de jouer comme ça. Ok, Kaiden HD, il l'a vu. Je crois qu'il l'a pas vu, hein! Il l'a pas du tout vu. Et il va mourir, je pense! C'était sûr. Il s'est fait avoir car Kaiden HD était juste derrière cet arbre, mesdames et messieurs. Trop fort, mec. Le problème, c'est qu'arriver en moto sur un bord de zone, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Ça commence à se réduire énormément. Bagarre Jones, peut-être, pour le premier kill. Ouais. Oh non. Oh, j'y crois pas. Oh, le kill le plus à l'arrache de tous les temps. Putain, je pensais jamais... Je tremble. Je pensais jamais que j'arriverais. Heureusement, elle est tombée sur un adversaire qui était pas très coriace. Elle était allongée dans les fougères et elle a réussi à faire son kill, même sans viser. C'est incroyable. Il en a absolument rien à foutre. Oh, le headshot. Le
headshot sur Alghost qui sortait de son cabanon incroyable. Walou en 1v1 contre Ghost Death dans le cabanon. Il n'a pas l'info, mais quelle précision! Quel tir précis! Il est obligé de s'en douter. Il est obligé de s'en douter. Est-ce qu'il l'a pas vu dépasser? Je crois pas. Il a rien vu. Ça y est, il l'a vu. Oh alors là, il y a une grenade? Il y a un cocktail Molotov. Il a voulu switcher, mais il a pas eu le temps. Il a eu peur de se faire timing. Non! Oh, et c'est fait, Walou qui gagne la première game avec 7 kills, mesdames et messieurs. Juste derrière, eh ben, on a Ghost Death et Alghost. Franchement, quelle première game de fou! Oh, ça tente des trucs, là. Là, ça tente d'aller sur la barre et d'agripper la barre. Peut-être qu'il faudrait enlever les armes. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il cheat? Si cheat, vous me dites, hein. Je tue, hein. Bon, MV dead, évidemment, hein. Je n'avais pas trop de doutes. Antoine Daniel, 13 HP, qui se retrouve un petit peu dans la misère à devoir courir sur la plage, mais il est top 13. Ouais, il se met un peu en profondeur, c'est plutôt bien joué en vrai, faut juste pas mourir du souffle, faire gaffe un petit peu. Faut vraiment qu'il fasse gaffe, hein. Parce que là, la mort de noyade, ce serait vraiment la honte. Ce serait vraiment terrible, hein. Une mort de noyade, on n'aurait jamais vu pareille nullité depuis un bail. Et peut-être qu'il aurait dû aller plus près du pont pour sortir. Parce que là, c'est le risque est... Je suis mort noyé, j'ai pas fait gaffe. Mais putain, mais you had one job! Mais c'est pas possible! Attendez qu'il s'est mis trop bien, il a fait aucune approche agressive pour l'instant. Je sais pas si quelqu'un sait qu'il est là. Ah! What the fuck? C'est quoi ça? Me dis pas que ça va faire un trou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une bombe. Mais ça fait des dégâts au travers le mur ou ça va faire un trou? Qu'est-ce que ça va faire? Ah d'accord! Littéralement une bombe nucléaire qui traverse en plus les bâtiments. Ah ok, je savais pas. Ah je savais pas que ça faisait ça. Oh sa mère! C'est la zone finale de toute façon. Donc ça va rétrécir le shrink. Il va falloir se battre. Eh, tendez la main tous les deux là à travers le mur là vite fait là. Un petit C4 là dans le bâtiment en vrai. Ok, c'est incroyable. Oh, Timat qui va peut-être checker le bord de la terrasse. Oh Juice va réussir à entrer. Mais ça va être un coup de pompe. Ah, c'est un coup de pompe! Évidemment, bah Coco était top du lendemain! Et bah non! Ça va être le fight final entre Timat et Coco, mais Coco est tellement bien placé! Timat! Qui prend le kill! Franchement, c'est quasiment offert! Pourquoi Coco a sauté comme ça? Mais Juice qui fera un excellent top 3, alors que franchement, on est sur une game où bah, y a des gens bien plus forts que lui dans la game. Donc franchement, c'est un truc de fou. Bon alors, Arcanthors! Bon, j'ai quand même envie de voir sa découverte du bâtiment. Ça m'intrigue. Non, s'il y a quelqu'un, en vrai, c'est vraiment abusé, genre. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un. Faut être trop fort en dropping ici. Quoi? Là, il se dit, waouh, il est trop nul, le gars que je viens de tuer, là. Mais c'est quoi, les gardes? Là, il doit être en mode, what the fuck? What the fuck, c'est quoi cet endroit? Ah, c'est quoi cette merde? Il a fait non de la tête en mode non, je me casse. Ah, le pauvre, eh oui, il y a du PVE. Mais Alain, j'ai trop peur. Ça va, Mintos, là? Oh, Mintos qui vient de se faire invade. Il y a quelqu'un dans sa maison. Attends, mais je rêve ou... Ah, mais il a construit un truc devant lui, là. Mintos, il a construit des barrières devant ses chiottes. Mais qu'est-ce qu'il fout? Là, il a vu les barrières. Oh non, Mintos, comment tu peux faire ça, Mintos? Y'en a marre. Romain, on avait deux boucliers pour pas te cacher derrière. Mais bah, je suis caché. Je suis caché dans ton bouclier latéral de la baignoire, là. Acrylis qui a réussi à avoir Mintos qui était derrière ses 40 barricades, malheureusement. Je vais chier. Deux kills. Oh, Antoine qui tue Calgrims! Quoi? Antoine qui vient de tuer Calgrims! Ça, c'est ma grange, enculé de ta mère. What the fuck? Alors ça, j'en ai vu des hold-up! Mais alors ça, il le... Ah, mais parce qu'il campait! Oh non, c'est horrible! Mais Robocop, il peut pas tirer dans la voiture, mais il sait qu'il y a quelqu'un dedans! C'est un blindé! T'as pas envie de tirer dans le blindé! Oh non, attention, il essaie de l'écraser! Ah, quel fight de con! Quel fight de con, je vous jure! Hop, grenade! Oh, ça va faire mal. Oh là là, c'est un massacre! Bah, ils vont essayer d'abord de se tuer eux, et ensuite ils verront. En blindé, il va peut-être faire son top 2, hein, c'est vrai, hein. Combien d'HP il a son blindé? Bah, il est full life, hein. Il est full life, il en a rien à foutre. Et lui, il est en train de regarder le fight, regardez! C'est le caméraman! C'est le reporter de guerre! Timat contre Triple Action! Sur le top 1 pour le top 2! Mais je crois que Triple Action, il a rien en plus, il a pas de stuff. Est-ce qu'il a des trucs? Ouais, si, il a des trucs, mais bon, vas-y, là.
Bah là, il a juste à attendre qu'il sorte. Ah, comment ça va se terminer cette histoire? Bah non, il va vider son chargeur dessus. Hein. Je pense qu'il a assez de balles. Hein. Il est en train de tirer des grenades. La triple action doit se demander comment il va faire. Non, mais tente pas de l'écraser. C'est bon, on a compris. Non, mais reste pas dans le feu non plus. Oh, et pitié, pitié. Ça y est. On a commencé à DPS, voilà, il est midlife, hein. Midlife, sa voiture. Bon, on a compris, on a compris. On a compris, c'est bon. Ah, il va monter dedans et le tuer. Ça aurait été incroyable. Ça se regarde, hein. Viens de battre au point, lui dit. Bon, voilà, il va mourir de la zone, hein. Triple action va mourir de la zone parce qu'il voit pas exactement où est la zone. Oh ! Mais putain, mais tiens, lui dessus, tente-le au moins, mais tente. Mais triple action, il a même pas tenté. Écoutez, il aura fait son top 2. Eh, hey, il aura fait son top 2. Qui peut le blâmer? Eh, hey, tous les gens qui vont le blâmer, bah, ils ont pas fait top 2, eux. DG qui campe depuis le début de la game, je crois. Hein. Il me semble bien. Hein. Nensha, va-t-il y avoir un kill sur... JDG ? Oh, tu sais qu'il a failli, rater, hein. Il a failli rater ce kill. Ça va, Fred ? 28 HP, on est serein ? On a dû vider deux chargeurs et faire un flic de vieux sur gauche-droite dans tout le salon, là ? Alors que JDG s'est saisi de cette voiture, il va rencontrer, eh bien, Rebecop sur le pont, qui va lui vider un chargeur entier sur la gueule. Paf, 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 paf. Pour l'instant, ça fonctionne pas. Ah, le headshot de Rebecop sur JDG, qui se fait détruire sur le pont. Ok, miss click. Bon, faut tirer, là, quand même, non? On tire, là. La bomba. La moto devant. La moto juste devant. Oh, putain. Je crois qu'on n'a pas vu. On s'est fait voir par Xako, qui est en train de tirer. Et qui a vu Miss Click TV qui dépasse à peine. Miss Click, ah, c'est foutu. Allez, Rebecop, continue. C'est ton pont. C'est ton pont, mec. C'est ton pont. Voilà, allez. Agressif. C'est notre pont. C'est ton pont, mon gars. Le 12e kill de Rebecop, mesdames et messieurs. Mais c'est une putain de légende, hein, vraiment. Hein. Il est injouable. Hein. Il est imbranlable sur son pont. C'est dur, mais en réalité, celui qui a l'avantage ici, c'est Eliodar. Parce qu'il est en hauteur. Il possède le E-Ground. Oh, il est sur la droite. Il a fait une cassée. C'est un génie. C'est un génie. Oh, c'est un génie. C'est un génie, il s'est mis sur le côté, il a réussi à prendre Eliodar à revers. Allez, le dernier. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y. Oh, il le tente. Petite grenade sur les jeunes. Ouah, il lui a mis 33. Il lui met 33. Deuxième grenade. Attention les jeunes. Ça va être trop à droite, je pense. 36. Mais tu sais que c'est pas mal du tout, hein. Oh, un peu loin peut-être. Quoique. Oh, incroyable! La légende ultime! J'ai un petit screenshot. Voici le classement final. Vous avez Timat, eh bien, qui a gagné le FFS avec 375 points. Juste derrière lui, à moins de 30 points d'écart, Noki. Juste derrière lui, Rebecop, qui est remonté du top 12 au top 3. Puis Alghost, El Provençal, Fafoun et Eliodar. Speo! J'aime trop. Tout est ultra cliché, mais ça, je savais déjà avant de jouer à la licence. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais même en étant cliché, c'est quand même ultra bien produit. C'est pas genre cliché juste pour être cliché et en fait, c'est naze. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours parlé de cette licence, je voulais trop tester. Enlevez vos masques. Béo ! Le nécromancien puissant ! Excellent ! Full invoque. Mais non ! Le nécromancien puissant ! Attends, il est S3 étoiles, hein ? Mais non ! Le nécromancien puissant ! Attends, le quatrième, ce serait quand même pas... Le vagabond zélé. Vous avez pas peur de moi? Alors, vous voulez bien être mon ami? Oh, c'est un légendaire. C'est un légendaire. C'est un légendaire. Il est doré, son S. C'est l'ours Sugi. C'est du jamais vu. Le destructeur infernal. Bon, c'était bien. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais c'était bien. Je rate rien. Je leur laisse quoi? Sur la route? Rien! Mais vous êtes idiots ceux que je livre, sachez que vos aliments sont quand même juste sur la route. Vous pourriez juste vous bouger le cul et aller le chercher vous-même. Oh! C'est quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est gagné, let's go! Oh! Toute la thune! Et je manque de hamburger dans le jeu. Merde! Je vais voir ce que ça faisait si on se la prenait. Je me suis dit non, c'est quand même pas bien méchant, non? Ah! Ça t'enlève du stock! Oh putain! Ah ouais, faut vraiment pas faire le con avec les voitures dans le jeu. Let's go! Gagné! Pourquoi y'a Juice en bas là? C'est Juice ça. Si c'est pas Juice, c'est personne. Très belle équipe de craquettes. Ok, c'est parti, la vague 1! Oh non, mais monsieur, c'est pas comme. Le contrôle, c'est pas comme les exercices! C'est pas du tout auto-aim! Mais monsieur, ça y sera au contrôle, les AOE? Attends, mais ça, c'est l'opérateur. C'est une masterclass. Je garde l'opérateur.
Ça m'énerve ce truc là, ils veulent pas te donner de dégâts. Parce que quoi? Parce que rien n'est gratuit dans la vie, c'est ça? Parce que la vie est une pute? On est toujours obligé de se faire arnaquer si on a quelque chose de bien? C'est ça qu'on veut nous apprendre? Oui, vous allez booster vos dégâts, mais c'est seulement quand vous avez un point de vie, c'est ça? Je suis vraiment la seule commu où le chat est choqué quand le mot pute est lâché, ça me tabasse. Mais je suis fier de vous. J'ai eu trop peur hier, je suis sorti des locaux. Il était minuit, genre. Bon, à minuit, il y a plus personne dans les locaux, enfin à part moment, mais du coup, tu peux pas le croiser vu qu'il est dans sa salle de stream, quoi. Je vais à l'ascenseur tranquille. Les portes s'ouvrent, il y a quelqu'un. C'était Ghoster. J'ai eu trop peur. Ah, il a rigolé, il m'a dit ça va? Et non, mais c'est juste, voilà. Les minuit, pas l'habitude de croiser des gens. Quelle anecdote de fou, hein. Zerator a eu peur dans l'ascenseur. Vraiment, on vit des choses, hein. Ne manquez pas le dernier stream de Zerator. Vous inviteriez une étrangère comme moi à partager vos vivres, juste comme ça? Bien sûr! On ne peut pas sauver le monde si on ne peut pas aider les étrangers qu'on croise, n'est-ce pas? Votre offre est généreuse, pourtant, je suis une femme bannie, indigne de votre aide. Ma place est ici, parmi le reste des mauvaises herbes. Ok, Rayou. Alors, que propose Rayou? 3 d'income de provision, de force ou d'hater? On va prendre force, hein. Merci Rayou pour l'income de force. Il a pas eu le gland parce qu'il a pas fait la bonne chose. Ah ouais? Faut faire tous les objectifs? 9000 glands sur le live pourtant. Oh, la blague a bien trop de succès, mais je sais pas, ça m'a fait rire. Bonsoir et bienvenue! Ah, vous êtes pas là? Vous êtes où? 2500 personnes sur la chaîne? Et y a personne qui parle? Vous êtes où? Ça marche pas? Oh, et puis merde! Je me casse le cul toute la journée pour des viewers! Oh non! Y a zéro! Y a plus en bas non plus! Vous êtes où? T'as pas le maillot d'Akroma? Il est là. D'ailleurs, non mais gros big up à Akroma, puisqu'en fait, ils ont pas de boutique pour acheter de maillot. Du coup, j'avais envoyé un petit message au CM en disant, vous pouvez pas m'envoyer un maillot là, c'est pour faire un truc, t'inquiète. Il avait pas pu l'envoyer parce que c'était trop short en termes de délai, parce que oui, j'ai contacté tard. Il m'a dit, mais j'habite à Montpellier, si tu veux, je viens te le donner. Et j'ai dit, bah tu sais quoi, t'as qu'à me l'amener. Et il me l'a donné. Là, aujourd'hui, là. Et je lui ai dit, bon, merci de m'avoir amené le maillot, mais on va vous arracher. Hein. Il m'a dit, ouais, c'est ça, comme en Coupe de France, parce qu'il nous avait battu en Coupe de France. Et j'ai dit, ah, mais ça n'a rien à voir, l'équipe n'était pas à Montpellier, c'était pas la même. Il s'est barré comme ça, puis moi j'étais là. Donc bon, voilà, c'était. Mais bien joué à lui en tout cas, légende. Ok, une écho qui se déclenche. Vite, Akuma! Quoi, mais comment il meurt pas? Comment Akuma meurt pas? Cover par Hip, bien sûr, son allié de toujours. Sur cette A-Long, il n'a pas été détruit alors qu'ils étaient trois face à lui. Akuma qui a réussi à faire 2 kills chirurgicaux et Hip qui revenge juste derrière. Non, c'est beau. Non, c'est beau ce que j'ai vu. Oh, alors toi, t'es dans une merde. Oh oui! Est-ce qu'il en fait un deuxième? Ouais, non, abuse pas, abuse pas, abuse pas. Ok, ok, ok. Ouais, il a tiré un peu au hasard. Il a failli toucher, hein. Tu sais qu'il a failli toucher, le con, hein. Tu sais qu'il touche presque, hein. Oh, il en fait 2! Comment c'est possible? Non, non, Akroma, réveillez-vous! Il y a des gens qui regardent, là, il y a des viewers quand même, là! Il a pas le droit d'en faire 2! Si on perd ce round, peut-être le maillot Akroma prend une petite déchirure. On a investi le site A, il y a eu aucun counter pour l'instant, aucun counter play. Et Soon est derrière, j'aime bien ce que fait Soon. Alors là, faut pas qu'il y aille trop tôt, c'est trop dur. Oui, oui. Grid pas! Faut que tu restes en vie! Mets-leur la pression, voilà, petite cage! Regardez, je suis derrière! Ouais, vous avez la pression, je suis derrière! Ouais, va falloir checker! Ouais, mais pendant ce temps-là, on vous fonce dessus! Regardez-le, le gogo! Regardez-le, le gogo! Et pendant ce temps-là, y'a Soud qui va arriver derrière! Et Ghoster, il va revenge! Et Ghoster, il va revenge 2 fois! Et Ghoster, il va revenge 3 fois! Et même 4! Pour le 4e kill, voilà, dans vos gueules! Tu crois que c'est du respect, mon garçon?